Afin de détecter ses propres mouvements, Timio utilise un accéléromètre, un capteur qui mesure l'accélération. Un accéléromètre est un composant constitué d'une masse et d'un ressort attaché à une surface fixe. La deuxième loi de Newton nous apprend que le mouvement de la masse sur ce ressort peut être décrite par une équation. La masse fois l'accélération plus une constante de raideur du ressort fois le déplacement est égal à zéro. Grâce à ce dispositif, il est aisé de connaître l'accélération de la masse lorsque l'on mesure son déplacement. La masse et la constante du ressort étant connues. Lorsque ce système masse-ressort est fixé à un objet, on peut alors connaître son déplacement. Pour étudier ce phénomène, nous allons utiliser Timio comme balise qui permet de mesurer la hauteur des vagues. L'idée est que la vague va incliner Timio, changeant la valeur détectée par l'accéléromètre. Timio s'allumera alors en vert si les vagues sont faibles et en rouge si les vagues sont trop importantes.